Manger, livre 1, français, débutant. D'abord, les signes orthographiques. L'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe, le tréma, par exemple Noël, l'apostrophe, les traits d'union, exemple grand-père. Ce sont les signes orthographiques en français. Et maintenant, voici les signes de ponctuation. Les signes de ponctuation, le point, la virgule, les points et virgules, les points de suspension, les parenthèses, les guillemets, le tiret, les points d'interrogation. Ce sont les signes de ponctuation en français.